Me revoici pour une petite vidéo afin de vous expliquer comment j'ai fait mon embellissement avec les chiffres qui sont dans la box. Voilà. Et je m'étais servi de cette technique pour l'embellissement de mon album, la couverture de mon album. Donc, vous prenez vos chiffres, une distress. Donc là, j'ai pris la Shipped Saphir. Hop. Hop. Vous venez ancrer votre chiffre. Évidemment, on en aura un petit peu sur les doigts. C'est votre patouille, hein. On est d'accord. Voilà. Vous prenez votre embellissement. J'ai mis de l'eau. Voilà, je prends mon papier canson. Hop, on le dépose. Tac. Espérons que j'ai pas bougé. Ah ben, j'ai peut-être bougé un chouïa. Voilà. On récupère l'embellissement. Et voilà. Vous pouvez vous resservir de ça si vous le souhaitez. Hein. Voilà, moi, une seule fois, ça me suffit. Vous pouvez également donc ensuite, moi je soit je chauffe, ou soit vous laissez sécher. Vous laissez sécher. Je vous montre aussi une autre manière de vous en servir. Vous posez votre embellissement. Vous venez prendre de l'encre. Et du coup, on encre. Voilà, on va éviter de bouger. Ça serait mieux. Voilà, là je bouge. Voilà, attendez. Tac. Et voilà. Donc, là vous avez une autre méthode et je reviens ancrer le bord. Voilà, enfin, je pastel. Voilà, mon set en fait il est déjà ancré donc je trouve ça dommage de perdre. Je refais la même technique que tout à l'heure. On en met un peu partout et on revient refaire ma technique de tout à l'heure. Hop, je le pose. Tac. Et voilà. Je le récupère. Et voilà. Voilà, évidemment, du coup, le set est à l'envers. Mais moi, je l'utilise pour faire des étiquettes. Voilà. Je reviens tout de suite. Je vais sécher. Et je vous remonte après.